Désolée pour mon haut froissé, mais je cherchais un truc à mettre rapidement là parce que il faut qu'on me parle. J'ai dit que j'allais publier une vidéo le dimanche, comme si moi, Kamel, je maîtrisais l'actualité en mode ouais, je sais qu'il n'y aura rien, donc je vais me permettre de dire que je vais publier une vidéo dimanche. Mais non, Kamel, les choses ne marchent pas comme ça. Non. Donc, me voilà. Aujourd'hui, ce sont les 1 an de la mort d'Arafat. Ça fait 1 an qu'il nous a quittés. Vous ressemblez à vache quand vous faites ça, c'est ça, c'est pas bon. Oui. Et j'aime pas trop parler des trucs de mort et tout parce que voilà, ça me fait bizarre, ça me fait de l'effet. Mais 1 an, ça passe vite, hein, ça passe vite. Et moi, personnellement, j'arrive pas à réaliser qu'il n'est jusqu'à là maintenant, hein, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à réaliser qu'il n'est plus là. Bon, dans ma tête, c'est en mode ah, il est là, mais il fait une pause et tout, mais il n'est plus là quand même. Donc, encore paix à son âme. Et j'espère que d'où il est, il va bien, qu'il veille sur sa famille et tout. Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi? Mais ça va aller. On va passer au prochain sujet, notamment ces deux-là. Emma Loès, c'est notre Emma Lolo, quoi, est-ce que vous voyez? C'est notre starlette, c'est notre bimbo. Elle est actrice, présentatrice, influenceuse, entrepreneur. Voilà, faut préciser. Et de l'autre côté, on a notre diva, la diva de la musique ivoirienne, la diva de la musique africaine, la voix d'or. Il fut vraiment un temps où ces deux dames-là étaient proches, mais vraiment proches. Proches au point où elles se promenaient quasi tout le temps ensemble. Elles partaient en boîte de nuit ensemble. Elles fêtaient même les anniversaires ensemble. Doudou! She's back! Je suis rentrée, je suis là! Donc voilà. Proches au point où on disait qu'elles se ressemblaient. Qu'est-ce que tu as dit, on se ressemble, non? Tu ressembles à maman? Comment ça, tu ressembles à maman? Non, nous deux, on se ressemble, non? Tellement. C'est faux. C'est faux. Elles étaient là en mode moi mon nez est plus beau que le tien. Non, moi mon nez est plus beau que le tien. Non. Vous avez dit quand même que tu exagères, non? Regardez. Plus mon nez. Tout se maquille en contouring, ça va. Mais là, oh, regardez les nez. Comparez les nez. Ah, mais moi j'adore mon nez. Comparez nos nez. Est-ce qu'on a même. Non, vous voyez, mais ça te prouve. J'ai dit où? J'ai dit. Jusqu'à ce qu'un matin, on dorme et on se réveille. Et derrière, on apprend que elles ne se parlent plus. On était là en mode qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces amis-là, voilà, parce que c'était amis très proches, ne se parlent plus. Donc les gens commençaient à émettre des hypothèses en mode c'est sûrement à cause d'un mec. Ça, c'est beaucoup revenu. C'est pour ça que c'est beaucoup revenu en mode c'est sûrement à cause d'un mec. J'ai pas pu retrouver les captures. En tant que bonne affairée, moi j'ai suivi cette affaire-là, mais vraiment, j'ai vraiment suivi. Il y a eu des captures qui ont fuité sur la toile comme quoi, voilà, José Brézé, Emma Brézé, José, bon, ce genre de trucs. Jusqu'à ce que une radio de la place trace, voilà, dans leur célèbre émission Accusé, Levez-vous, invite Emma Loès. Et c'est là qu'elle va donner la vraie raison de la séparation. Je te dis, José, mon ex-petite sœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation? Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un de vrai. D'accord. Voilà, dans mes relations, soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Mais je ne peux pas être avec toi à 100%, te soutenir contre vents et marées, et puis un matin il me réveille, et puis en tant que c'est toi qui craches sur moi. Je vais même pas t'appeler pour te demander. Ouais. Tu n'existes plus, tout simplement. C'est ça. D'accord. En mode, je considère quelqu'un comme mon ami. Je donne tout, je fais tout pour elle et tout. Et elle, derrière, au lieu de me soutenir, de me protéger et tout, c'est elle qui va me vilipender, c'est elle qui va me braiser. Oui, qui va me braiser chez les gens. Emma n'a pas apprécié et tout, et elle a coupé les ponts. Jusqu'à là, maintenant, genre, jusqu'à aujourd'hui, José n'a fait aucune, mais quand je dis aucune, c'est vraiment aucune déclaration concernant cette histoire. Elle ne s'est pas prononcée, c'est resté comme ça.
Et jusqu'hier, on se disait qu'il n'y avait pas moyen que ces deux-là se parlent. Mais vous savez, si Ado et Gbagbo se sont réconciliés, pourquoi pas elle? Pourquoi pas Emma, Loès et José? C'est ainsi qu'hier, à la conférence de presse de Coming to Côte d'Ivoire, moi j'y étais, je suis assise et je vois qui? Je vois Emma Loès en train de saluer José. J'étais là en mode... Hein? Bâtard, hein? Non mais vraiment, j'étais en mode... Pour ceux qui n'ont pas pu voir, je vous mets la vidéo. Ah, vous avez vu? Moi, j'ai eu la chance de vivre son live. C'est-à-dire que comme une Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé, que voilà, il y a ce genre de choses. En tout cas, le festival, il promet. Si déjà, il y a ce genre de truc-là, c'est que qu'est-ce qu'il y aura pendant les 3 jours? Je me pose la question. Mais j'y serai et je vais voir clair. Genre, je ne veux rien rater. Du coup, j'y serai. Est-ce qu'elles sont vraiment réconciliées? Est-ce qu'elles se parlent maintenant? Ou c'est juste pour sauver les apparences? Genre... Emma Loès est l'ambassadrice du projet. José est sur le projet. Donc, genre, est-ce qu'elles font ça juste pour... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Dites-moi ça en commentaire. Je veux savoir. Je veux connaître vos avis. Pensez-vous que c'est une vraie réconciliation ou c'est juste pour faire genre, pour sauver les apparences? Dites-moi ça en commentaire. Faites vite. Dites-moi. Je veux trop connaître vos avis. Donc, s'il vous plaît, dites-moi réconciliation ou juste semblant. Et moi, franchement, si elles sont réconciliées, c'est bien parce qu'il est temps. Il est temps, en fait. Il est temps d'arrêter les guéguerres. Il est temps de se concentrer sur l'essentiel. Et ça fait plaisir de voir que nos deux stars, parce que oui, c'est le cas de le dire, nos deux stars se parlent. Parce qu'avant, on voyait comment elles étaient bons déliés et tout. Et si elles se parlent, c'est possible que ça reprenne. Qu'on les voit en joie, en train de kiffer et tout. Donc... c'est un peu ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi, mais vraiment, ce que vous pensez de tout ça. Puis à l'avenir, je vais m'abstenir de donner des dates. Je publie une vidéo dimanche, genre je ne publie rien dimanche. Je me sers de l'actualité pour faire mon contenu. Du coup, je vais m'abstenir, je vais me taire et juste suivre. Voilà. Et c'était le béret du jour. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire en commentaire. Partagez. Likez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui viennent regarder sans s'abonner, je ne sais pas par quel esprit vous êtes animé. Vous venez, vous like, vous. Genre, et puis il y en a même qui se permettent de commenter. Vous n'êtes pas abonné, vous commentez. Vous êtes qui en fait? Vous commentez, tu n'es pas abonné, tu commentes. Et qui m'insulte? Genre, t'es pas abonné, tu commentes et tu m'insultes. Le culot, j'ai envie de dire. Mais beaucoup aujourd'hui ne respectent pas ce qu'il a dit. Il a donné.